février 1972, Hundertwasser participe à une émission de télévision où il affirme haut et fort sa position de défenseur de la nature. Il y revendique un droit des arbres et un devoir de l'homme de le respecter. C'est assez rare à cette époque de défendre de telles idées sur l'écologie. Dans les années 80, il appelle à préserver la nature pour évoquer l'importance du recyclage et essayer de faire évoluer le monde vers une société sans déchets. Il réalisera aussi de nombreuses affiches pour sensibiliser le public à l'écologie, certaines contre l'énergie nucléaire, d'autres contre la disparition des baleines, d'autres encore pour la protection des forêts. Et, lors de performances, il lui arrive souvent aussi de planter des arbres et d'inviter tout le monde à l'imiter. À lui seul dans sa vie, il aurait planté plus de 100 000 arbres.